Mes amis bien le bonjour. Vous savez quand j'étais enfant en Algérie à l'époque du parti unique, bien beaucoup de choses étaient uniques. La chaîne de télévision, on n'avait qu'une seule. Les journaux, on avait allez, on avait peut-être un ou deux journaux, peut-être même trois, mais ils racontaient la même chose. Donc vous pouvez dire que nous avions un seul journal. Et je me souviens à l'époque quand je voyageais en France ou bien en Suisse, à l'aéroport déjà, je voyais ces étals de magazines, de journaux, tout ça, eh bien, j'avais l'impression d'arriver dans le monde libre. En fait, je confondais euh, pluralité des titres ou des sources avec la pluralité des opinions et la pluralité de ce que les gens peuvent exprimer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en 2023, au moment où je mets sous presse, je suis en train de me demander si les journalistes, dans leur cursus d'études, non pas un module ou des modules qui s'appellerait, module attention, celui-là, défendre la parole de l'État. Probablement, celui-ci doit avoir un coefficient de 10. Un autre module très important, défendre la parole des entreprises. Celui-là, c'est probablement un coefficient de 100. Et en fait, aujourd'hui, je, je constate que finalement, cette illusion... Cette illusion de, de, de liberté que j'avais remarqué à l'époque, eh bien bon voilà hein, c'est ça va pas très loin clairement ça va pas ça va pas hyper loin mais c'est pas seulement sur ça que, que je fais des correspondances aujourd'hui que je fais des parallèles je vous donne un exemple vous savez pendant très longtemps je me suis battu contre la mutilation génitale en Afrique j'avais même peur qu'elle arrive en Algérie vous savez, il y a 15 ans à peu près, j'ai fait une vidéo où j'avais exhibé un couteau de cuisine énorme. Euh, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de choquer la veuve et l'orphelin, mais je l'avais fait à l'époque pour essayer d'avoir essayer de montrer un instrument et puis avoir une image très forte pour choquer les consciences. D'accord Je m'étais battu contre ça. Hein Des gamines jusqu'à maintenant, elles en sont victimes. Il y a... Des gamines qui, chaque été, d'ici, le Royaume-Uni, voyagent en Afrique pour les vacances et elles reviennent mutilées. C'est une horreur. Maintenant, ce que je constate, je constate que les Occidentaux font pareil. Sauf que les Occidentaux le font sous guise de développement et de progressisme. On a de plus en plus d'enfants, de jeunes ados qui, sont, euh, qui reçoivent des produits chimiques en attendant une opération. Et on a de plus en plus. Ça devient un phénomène de société littéralement, mais quand l'Occidental le fait, ce n'est pas une horreur, semble-t-il, c'est du progressisme. C'est... On évolue, on va vers l'avant. Quand l'Africain le fait, c'est une abomination. Alors qu'en fait, c'est une abomination. Qu'elle que, qu soit faite par les uns ou par les autres. Quel que soit le déguisement qu'on lui donne. Quel que soit l'emballage dans lequel on la met. Autre chose. Je disais dans les news, il y a... quelques jours, ici au Royaume-Uni... Il y a une école avec un enfant qui a qui a été vers la vers une sorte d'étagère avec des livres un Coran a attiré son attention un Coran traduit en anglais a attiré son attention de manière particulière il a voulu il a voulu voir il a pris le Coran et puis en voulant le sortir ben il est tombé pam il est tombé, il est tombé sur la face, il y a deux, trois pages qui ont été pliées, il y a une page qui est légèrement tachée. Enfin, vous imaginez un livre qui tombe d'un mètre cinquante, hein, le résultat. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays Il y a eu une montée au créneau, le gars était menacé, sa famille a dû se cacher, euh, la police a dû intervenir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'histoire d'un Coran et on dirait que c'est une sorte de, de gris gris comme ça qui qui a été euh, qui a été souillé alors que ça n'a aucun sens même dans les pays musulmans vous allez dans une mosquée vous allez n'importe où dans ces étagères où il y a des livres coran et autres certains sont en bon état d'autres sont en mauvais état certains sont tombés ont été trimballés dans des poches dans des cartables dans des sacs dans des domiciles il y a des fois des pages qui qui foutent le camp il y a des fois le livre qui tient pas c'est normal ça arrive ça fait partie de la vie du livre c'est vrai que c'est terrible quand on voit ça, quand on voit cette, cette approche-là dans les sociétés musulmanes, c'est vrai que c'est choquant, c'est vrai. Je le prends même comme un signe, je ne vous cache pas, je le prends même comme un signe d'arriération de certains esprits. Mais en même, temps, en même temps, vous savez, quand je regarde en Occident, eh bien, il y a deux, trois jours, vous savez, c'est. Ils peignent maintenant de plus en plus, ils peignent des couleurs arc-en-ciel, ils peignent le drapeau arc-en-ciel un peu partout, sur le sol, comme ça ils arrivent, ça fait pas partie de la circulation routière, mais je ne sais pas, quelque part, ils ont décidé qu'il faut mettre ça partout. Donc ils mettent le signe sur le sol. Et puis l'autre jour, aux États-Unis, ben, un de ces signes a été découvert euh, souillé. En fait, ils ont trouvé une trace de pneu dessus. C'est-à-dire qu'il était sur la route, et puis, ben, à ma foi... Une trace de pneu était dessus. Ça arrive sur la route. Tout à l'heure, j'étais à un carrefour. Je regarde le gars. Euh, J'avais juste une petite, un, un petit trou entre les voitures. J'ai dû foncer. J'ai laissé un peu de traces de pneus par terre. Ça arrive tous les jours, ça, sur une route. C'est pas normal. Sauf que s'il y avait eu ce ce drapeau là par terre, je n'aurais peut-être pas osé, n'est-ce pas C'est sacré. C'est sacré pour les occidentaux. Mais vous savez ce qui s'est passé il y a une chaîne de télévision qui a fait un breaking news. Breaking news. Vous savez ce que c'est qu'un breaking news? C'est quand les journalistes interrompent les émissions. On interrompt les émissions. Et on a un correspondant directement live avec un micro et un cadreur. On est sur scène. Euh, une scène absolument atroce. Quelque chose d'abominable est survenu ici. On va vous montrer directement la caméra. Attention, image absolument insoutenable. Regardez sur ce drapeau. Approche la caméra. Viens voir. Regardez là. Hein, vous voyez, il y a une trace de pneus sur un drapeau multicolore. D'accord Il y a à peu près trois semaines, il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a... Eh, qui nous a, pour être, pour être gentil, qui nous a chié une pendule. Il a vu quoi Il a vu dans le TGV, il a vu une femme voile elle portait une sorte de, de voile noir avec un avec une truc un truc comme ça qui cache son, son visage avec les yeux qu'on voyait il a flippé. il a commencé à tweeter à la SNCF. il a voulu appeler la police appeler les contrôleurs parce que disait-il la République française se vit à visage découvert c'est interdit de se couvrir le visage en France en fait euh, alors qu'elle lui-même portait un masque il portait un masque d'accord son idéologie. mais J'ai vu des images des fois insoutenables où on a des bébés, des hôtesses de l'air qui cherchaient à mettre un masque sur le visage d'un bébé de deux ans qui est en train de hurler. Et puis finalement, on débarque les parents parce que le bébé de deux ans ne veut pas obtempérer. Même en Iran. Mais en Iran, ils ne voient le pas les fillettes de deux ans. Même en Iran, ils ne vont pas jusque-là. Ils ont des limites. L'occidental n'en a pas. Parce que lui, il le fait pour le bien. Lui, il a une supériorité. J'ai vu une. Journaliste de la BBC qui était face à un, au président de l'Azerbaïdjan, lui disait Oui, il euh, n'y a pas de liberté euh, des médias dans votre pays. En fait, c'est tout simplement, vous savez, une sorte de supériorité. On est Royaume-Uni, par exemple, hein, on est supérieur aux autres, c'est tout, juste par notre existence. Vous voyez, on respire comme ça. Vous voyez, le fait qu'on respire, qu'on existe, donc je suis donc, je suis supérieur, c'est tout, aussi simple que cela. Et en fait, cette journaliste travaillant pour une chaîne de propagande de bas étage, qui est méprisée à travers toute la planète aujourd'hui, dit à cet homme, à l'outre-cuidance, et lui dire, oui, il n'y a pas de liberté de journalisme en Azerbaïdjan. Mais juste comme ça, parce que voilà, elle va dans un pays, elle se dit, est-ce que c'est, ce, comme ça que ça marche dans leur, dans leur tête. Est-ce que ce pays le Royaume -Uni non. est le Royaume-Uni? Non. Est-ce que ce pays est inférieur? Ben, forcément. Hein, S'il n'est pas le Royaume-Uni, il est inférieur. Il y a beaucoup de, de gens de la casse parisienne qui pensent pareil. Ce n'est pas Paris, donc c'est inférieur, forcément. Donc on peut leur balancer, on peut tartiner dessus. Eh bien, euh, il lui a sorti. Hein, il lui a sorti Assange. Il a dit Assange, pourquoi il est emprisonné dans votre pays Pourquoi vous êtes en train de le tuer Combien de temps il a passé planqué dans une ambassade Il est où maintenant Dans quel geôle il est maintenant D'accord Pour journalisme, d'accord Le dit, vous n'avez pas le, vous n'avez pas le, la supériorité morale de donner des leçons, d'accord vous voyez les exemples que je vous ai donnés. J'ai l'impression que l'Occident a décidé de prendre toutes les tares de toutes les nations et c'est de toutes à travers l'histoire, et il a décidé de les réincarner. Il a décidé de les recréer sous, sous une autre forme, sous une autre avec un autre discours. Mais la tare au fond est tout le temps la même. C'est abominable quand même. C'est absolument abominable. J'ai l'impression qu'il ne restera pas une seule tare à travers, à travers l'histoire et à travers la planète, à travers les cultures, qui ne sera pas réincarné en Occident sous une forme ou une autre. Non. Terrible. Ça s'appelle la déconstruction. Je crois que c'est ça la déconstruction. C'est ça. Je crois que c'est ça. J'en suis pas complètement sûr, mais je crois que c'est ça. Merci mes amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se voit dans une autre. Très bientôt.